Salut tout le monde, c'est TigerClaw. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Road Truck Simulator 2015 ou version numéro 2. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours sur PC. Et on va continuer la suite donc du transport. Nous étions arrêtés donc on est arrêté à Southampton. Et on va repartir de Southampton. Comme vous avez pu le voir la vidéo précédente, j'hésitais à repartir sur Cambridge ou directement sur Calais-Renner en France. Alors voyons voir où on va aller. On va prendre la carte du monde, parce que Calais on pourrait revenir par là après, et peut-être de Calais aller à Reims après, peut-être, et repartir sur Paris, peut-être faire que encore quelques vidéos, n'est-ce pas? Donc ouais, encore deux vidéos, je pense qu'on aura fini le let's play. Donc oui, on va sûrement faire sur Calais, parce que si je reviens sur Cambridge, il va falloir après, je sais pas où aller, peut-être sur Rotterdam, ça fera encore d'autres vidéos, donc on va voir ça tout de suite. Hein. Alors, où est-ce qu'il est ce Calais? On va aller à Calais, ça sera beaucoup mieux. S'il est toujours. Je crois que j'ai trop vite à regarder. Ah, on va recommencer depuis le début. Alors, Plymouth, il faut que je parte de Southampton. Alors, on en a un, mais on revient à Rotterdam directement. Ça fait un long trajet, une grosse vidéo, quoi. Southampton, Sheffield, on monte, ça ne va pas. Après, on a celui-là, ça n'ira pas non plus, je pense pas. Ensuite, il y en a d'autres. Lille, ça, non, c'est l'inverse, ça c'est l'inverse aussi. Rotterdam, Liverpool, Cambridge, ça va ici. Voilà, ou alors Sancy, mais on revient de l'autre côté, ça va pas le faire non plus. On a donc celui-là, là. Donc là, on part à 2h du matin. Ils nous attendent entre 2h du matin à 8h du matin. On va prendre la plus grosse somme, c'est-à-dire celui-ci, donc c'est parti, on y va. Nous partons en direction le Calais, donc on va reprendre le périph. On va quitter l'Angleterre, adios Angleterre, et on va rouler sur notre droite, hein, bien sûr, volant à gauche. Là, on est sur, bon là, on va avoir le volant à droite, tout le trajet, bien entendu. Alors, on y va, on démarre, et là il fait jour, c'est tant mieux, c'est idéal. Parce que là on a fait deux vidéos en pleine nuit avec la flotte pour la première nuit, c'était pas vraiment top. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous aimez bien ce que je fais. Enfin, si ça vous plaît pas, tant pis. Hein. Comme je dis, enfin, comme diraient certains de mes collègues, si vous appréciez pas cette vidéo, vous zappez, vous allez sur une autre vidéo. Désolé de vous dire ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je fais des vidéos, c'est pour moi et pour vous aussi. Hein, je fais ce que je peux. Je suis pas un professionnel. Je m'appelle pas Squeezie. Je m'appelle pas non plus. Norman et compagnie, hein, n'est-ce pas, ni Cyprien, ni Lucas TV, etc, etc. Je vais pas vous faire une liste longue des youtubeurs d'aujourd'hui. Donc on a 4 heures de route, il faut qu'on arrive sur direction le périph. Nous allons enfin partir de l'Angleterre. C'est dommage, j'aurais bien aimé aller sur
voir passer dans à Londres et tout avant de pouvoir revenir en France, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tous les cas, on aura sillonné les routes de l'Angleterre pour voir un peu comment c'était, même si c'est du graphisme et non en vrai. On a vu à peu près, parce qu'en fait les jeux font en fonction de la réalité et non de l'imaginaire. Donc là c'est un nouveau camion, c'est pas du tout le même que le précédent. J'ai bien dormi. Oula, pourquoi je suis sur le côté là? Je regarde parce que là j'ai bien dormi, j'ai plein d'essence. Aucun dégât pour l'instant. Vous avez constaté que pendant tout le display je n'ai pas été sur les aires de repos. Ou alors d'ici que je vous dis ça peut-être là, mais à mon avis peut-être que dans les dernières vidéos que je ferai, à mon avis j'aurais peut-être été sur l'air de repos rien que pour vous faire plaisir, je ne sais pas. On verra ça bien plus tard. Il a réussi à passer. Oh, putain, il est malade. Je mets sur la droite, à peine il peut passer, il passe quand même. Bon alors, on en est à 3h15, on n'est pas encore arrivé dans le périph' parce qu'évidemment il y a encore de la route à faire avant d'y arriver. Il y a quand même des limites, hein. Ils ont mis des limites, les flèches que vous voyez en jaune c'est qu'on peut pas tourner, c'est-à-dire que le jeu a une limite quand même. Hein. Des tunnels, ça c'est une première, ça. On va passer dans des tunnels et ben c'est parti.
En tous les cas, ça fait très joli avec l'environnement, les décorations et tout, les tunnels comme ça, là. Alors, faut qu'on reste sur notre gauche. On est toujours en Angleterre. C'est quand qu'on arrive au périph'? C'est pas ça là-haut là? Oh là, j'ai failli me percuter une voiture en face. Non, ça c'est plutôt des montagnes. Putain, je suis cinglé de passer par comme ça d'un coup là. Putain, faudrait pas qu'il y ait une bagnole devant. Hein. Je me demande si c'est pas fait exprès que quand on double, il n'y a pas de voiture en face en fait. C'est pas réaliste votre truc là, il aurait fallu. Parce que là, on aurait fait une situation là. Qu'est-ce que je fais quand je suis en train de doubler? Est-ce que je continue de doubler ou est-ce que je me rabats sur ma gauche? Parce que là, ils ont pensé à. Imaginons que le joueur, il met le camion sur la droite pour doubler un autre véhicule. Et bah, on met pas de voiture devant pour pas qu'il y ait d'accident. Voilà. En tous les cas, ils font bien de l'animation parce qu'on voit les voitures qui passent en tous les petits ponts et tout quand on passe, ça c'est bien fait ça. Là c'est un bus. Oula. Ah oui, alors là on va freiner un peu là, parce que. On passe dans une petite ville là. Une petite ville si on veut. Ah, on arrive au périph. Je vois des pointillés. Hein. Ça veut dire qu'on va prendre le périph. Moi je vais continuer. Ce qu'il me dit de continuer. Et le périph' il est dans le coin. Faut aller à gauche. Ça. Alors, ok, on va prendre par ici. Vous pouvez me dire pourquoi le camion il va dans le tramway là? Par là. Voilà, on est arrivé. Je rigole. Voilà.
Bon, je l'ai pris d'une façon un peu bizarroïde. Alors, on y va, on va embarquer direction Calais. 35 minutes de trajet. Bon, évidemment, vous savez qu'avec le jeu, ça va super rapide. Pour la destination des semaines plus sur remarquer. Bah, on l'a déjà fait là. Non, bah, c'est bon, on va. Alors, mon camion. On sort par où? Voilà, on est de retour en France, les enfants. Ça a été du rapide, hein. Putain, si seulement ça pouvait être rapide aussi en vrai. On est revenu en France, on est à Calais. Donc là, on peut rouler à droite maintenant, avec un volant en même temps à gauche. Enfin à droite, ça va pas le faire non plus. Hein. Obligé de refaire tout le bordel là. Oh, j'aurais dû sortir de l'autre côté. Là, il nous reste 58 minutes de trajet, tranquille. Évidemment, le temps va pas bouger parce que je suis toujours sur place. Donc ça, quand on est sur place, ça compte pas. Et tant que je termine cette vidéo là, parce que je commence à avoir une crampe là, ça fait pas du bien, hein, parce que je vous signale que j'appuie sur des touches directionnelles, hein, du clavier et en même temps je fais accélérer les choses. Oula, doucement. Bon bah on se prend le poteau, voilà. De toute façon, j'avais pas eu le choix, hein, tant pis, hein. Voilà, on est revenu à Calais, Paris, tranquille, on n'est plus en Angleterre, bienvenue à France, on va continuer notre trajet. Le temps il est gris, hein. Avec un peu de soleil. Hein. Et je crois qu'on va prendre l'autoroute déjà. Oh mais c'est bon, j'ai rien touché. Ou alors j'ai touché à l'arrière, peut-être, j'ai pas fait gaffe. Intérêt à me faire ma boule, de toute façon il y a un radar. Et où votre borne votre borne radar? Parce qu'il met le panneau mais on les voit pas. C'est fait exprès hein, dites. Un virage, je le sens, rien qu'en voyant le GPS là-bas, il y a un virage. On va faire un super tour complet là. Oui, c'est vrai, j'ai tellement pris l'habitude en Angleterre que les tournants se fassent à gauche que nous c'est à droite. J'ai eu un accident. Je fais comment pour remonter Bon, attendez. Parce que là, je peux plus rouler. Je peux plus rouler. Regardez, je suis allongé. Je suis en train de faire dodo. Ah là là. Allez, c'est parti. Assistance. Pas trop de choix. En profiter, je vais réparer les dégâts.
on est opérationnel. Alors, ma petite flèche, elle est par ici. Par contre, là, je suis... Bon, on va aller tout droit, alors. De toute façon, on est arrivé. Bah oui, on est arrivé, vous voyez, on est déjà arrivé à l'entrepôt, c'était à côté. On a gagné du temps. Alors, on va tourner à droite et on est arrivé. Voilà. Satisfaisant. Bah oui, j'ai un accident, mais je suis arrivé quand même, hein. Donc c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a gagné de l'expérience? Pas beaucoup. Il nous reste à peu près 160 pour arriver au niveau 3. Récompense de base, 223 km. Alors, on devait avoir 3576 € d'argent avec une expérience de 223 XP. Avec les bonus de compétences niveau 2, 107 €, pas d'expérience. Par contre, on a une pénalité de dégâts de 9% et une pénalité de moins de 1293 € ainsi que moins 116 XP d'expérience. Et ça nous fait un total de, on a gagné 2390 € avec des expériences de 117 XP. Ok, d'accord. Et ben voilà, donc on va voir un peu où on va aller. Donc on doit partir de Calais maintenant vu qu'on est ici. On a fait un sacré parcours quand même. Hein. Et on n'a pas fini. Parce que pour revenir sur Paris. Alors. Calais. Non, on va pas revenir en Bretagne. Calais. Non, en Bretagne non plus. Où est-ce qu'on va aller la prochaine fois, les enfants? Calais. Non. Les Grande-Bretagne, non. Il y en a pas un autre là de Calais là. Lille, non. J'ai envie de repartir sur Calais moi déjà pour commencer. Ah, il y en a un, oui, effectivement. Qui va directement sur Paris. Calais, Paris, Calais. Si je fais ça, ça nous fait ça. Et est-ce qu'on sera capable de faire après Bruxelles jusqu'à Paris? Très bonne question. Soit je fais Calais-Bruxelles, soit je fais du Calais-Paris, l'un ou l'autre. Je pense qu'on fera Calais-Bruxelles. A voir. On verra ça la prochaine fois, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner, de faire abonner vos proches à la chaîne Tiger Claw. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye, tout de suite, Untro.